D'habitude, je cultive les pommes de terre sous foin, sous paille, et je ne suis pas complètement satisfait de cette technique. Alors, j'en teste une autre cette année sur 100 mètres carrés. C'est de la culture sous bâche. J'avais entendu parler de cette méthode dans la ferme de Cagnoles et Vers de Terre Production. Et donc, cette hiver, on a bâché une prairie sur 100 mètres carrés. On a attendu comme ça tout l'hiver, et puis lorsque le lilas s'est mis à fleurir, eh bien on a commencé à planter les patates. Avec mon plantoir, je les enfonce sur 10 cm de profondeur et environ 40 cm les unes des autres. On a fait une drôle de découverte sur cette bâche, un petit orvet. Si, je vais le prendre avec un bout de bois. Wow. Voilà ce que ça donne lorsque les 100 mètres carrés sont terminés. Il n'y a plus qu'à les laisser pousser et puis en août ou septembre, nous les ramasserons. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo.